PEGI 3. Et nous voilà partis pour un tour classique du circuit d'Estoril. Te voici dans la courbe finale Parabolica, avant de déboucher sur la ligne droite de départ. Monte dans les rapports et passe les stands sur la droite à toute vitesse. Maintenant, regarde le panneau des 100 mètres à gauche. Freine à peu près ici avant d'aborder les deux premiers virages successifs rapides à droite. Sur la prochaine ligne droite, maintiens la voiture sur la gauche et freine à fond pour aborder ce virage à droite par l'intérieur, le virage 3, avant de remonter en direction du virage 4. Ici, la piste est glissante, dépasse la crête et évite surtout les vibreurs de sortie. Ensuite, reprends la vitesse dans le virage 5 à droite et ramène la voiture du côté droit de la piste avant le virage 6, un virage rapide à gauche à deux points de tangente encore. Ensuite, laisse la voiture sortir large et utilise toute la piste avant de ramener la voiture sur la gauche. Il faut bien freiner dans le virage 7, alors ne lésine pas sur les freins. Maximise ta vitesse sur cette nouvelle ligne droite, sur le côté gauche. Ensuite, fais passer la voiture à droite. Remonte la côte jusqu'au prochain virage à droite. Colle à droite, avance gauche. Maintenant, le coude de la chicane à droite qui te ramène dans la courbe Parabolica pour le virage 11. Et retour sur la ligne droite des stands. Utilise toute la piste en sortie pour profiter au maximum de la plus longue ligne droite du circuit et boucler ce tour.